Il est 7h04. Et il serait 700 000 dans l'Hexagone. Et les conducteurs non assurés vont désormais être traqués par les radars. Les explications d'Aude Leroy pour Europe 1. Désormais, quand vous serez flashé en excès de vitesse par un radar et que vous n'êtes pas assuré, vous allez recevoir chez vous une amende, mais aussi une lettre de sensibilisation pour vous demander de vous assurer rapidement. Cette lettre, elle vous sera envoyée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires, le FGAO, un organisme qui est chargé d'indemniser les victimes d'accidents puis de récupérer cet argent auprès des auteurs. L'an dernier, 26 000 dossiers ont été traités pour un montant global d'indemnisation de 150 millions d'euros, un chiffre qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. L'État peut vérifier qui est assuré ou non grâce au fichier des véhicules assurés, un répertoire mis à jour quotidiennement. Si le conducteur se met en règle en quelques jours, il ne sera pas sanctionné sur la partie assurance. En revanche, s'il reste hors la loi, il devra payer une amende de 500 euros qui est majorée à 1000 euros au bout de 45 jours. L'an dernier, 175 personnes sont mortes dans un accident de voiture impliquant un véhicule non assuré. Cela représente 5% des morts sur la route. Explication d'Aude Leroy.